Mes deux parents sont nés en Algérie, je suis née en Algérie également. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. On est venu en France à une période où mon père venait de perdre son travail. Donc on avait envie de voir autre chose, de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et surtout, c'était la période de la décennie noire. On s'est dit que c'était le moyen d'allier l'utile à la survie. Donc on est parti. Je me souviens pas vraiment de ce que j'ai ressenti quand on me l'a annoncé. J'ai l'impression aujourd'hui, quand j'y repense, que j'ai dû faire une sorte de blackout en fait. Mais je me souviens juste de mon arrivée, du froid, de la préfecture, et je me souviens encore de la tête que j'avais sur la photo que j'ai prise ce jour-là sur ma carte d'identité. Étant donné que j'avais pas ce souvenir-là de l'arrivée, ou même du départ, ou d'avoir quitté quelque chose, et d'avoir trouvé quelque chose de nouveau, il y avait une sorte de continuum, parce que la mémoire avait effacé le départ, tout ça. Pour moi, j'étais français. Je me rappelle même pas comment mes parents ont fait les démarches pour que j'aie la nationalité. Mais je me rappelle d'un jour où je passais le brevet, et j'avais juste pris mon passeport rwandais. Et là, je me rappelle un pote qui a explosé de rire. Mais c'est quoi ce passeport et tout? Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc de... Bon, bah la prochaine fois, tu vas pas prendre ton passeport rwandais, quoi. Mon père, en fait, faisait l'aller-retour. Il travaillait en France. Et du coup, il faisait des allers-retours entre l'Algérie et la France. Et au bout d'un moment, le rythme était un peu difficile à tenir. Du coup, il nous a fait venir, je crois que ça s'appelle un regroupement familial. C'était horrible. C'était vraiment horrible parce que en fait tu quittes ta famille et du coup j'avais vraiment l'impression d'être arrachée à là où je vivais, à mes proches. Donc c'était plus, ouais, c'était vraiment une rupture affective. Ils sont venus en France à l'arrivée des communistes et plus ou moins aussi à cause de la guerre du Vietnam. Le Laos n'était pas en guerre, mais peu de gens le savent. Aujourd'hui, ça commence à se savoir de plus en plus, mais c'est un des pays qui a été le plus bombardé au monde, puisque les Américains avaient pour ordre de larguer tout ce qu'ils avaient avant d'entrer au pays. Et forcément, ils passaient par-dessus le Laos en partant du Vietnam, donc voilà. En fait, mes parents sont partis à cette époque-là, milieu des années 70, mais ils ne sont pas venus en France tout de suite. Mon père, il est d'abord parti à Bangkok, dans un camp de réfugiés. Et ma mère, elle est partie à Hong Kong avec sa famille la veille du bombardement de son village. Et ensuite, ils sont venus en France et ils se sont connus à Paris. En fait, tout simplement, l'histoire de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents et de mes parents, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de colonisation, c'est une histoire de fuite et de perte. Et mes parents sont arrivés en 85 au foyer de Limoges. Ils se sont rencontrés au camp de réfugiés en Thaïlande. Ils ont dû fuir effectivement le génocide des Khmers Rouges, la guerre. Ils ont quitté la capitale pour rejoindre la frontière thaïlandaise. Entre temps, ils sont passés aussi par les camps de travail forcé. Ils ont fugué en fait du nord du Vietnam vers le sud du Vietnam. Puis après, ils ont pris encore la fuite. Ils sont partis en fait au Cambodge. Et en fait, au Cambodge, c'était pas mieux. Il y avait des Khmers Rouges. Et du coup, ils ont fui en fait en France. C'est un peu à cause des Français qu'on est là. C'est par eux-mêmes qu'ils ont traversé des jungles, etc., et qu'ils sont restés à dormir dans des forêts, à essayer d'éviter des mines, à essayer d'éviter aussi des soldats dans la jungle aussi, puisqu'ils l'ont fait à la marche aussi, pas de véhicule. Donc c'était assez éprouvant pour eux, et surtout ça a duré des jours et des jours. Donc ouais, vrai parcours du combattant pour fuir cette guerre. Du coup, mes parents, ils ont immigré du Sri Lanka il y a plus de 30 ans. C'était pour fuir la guerre civile. Donc, ils étaient étudiants et ma mère, elle a dû arriver en France début des années 80 avec mon père, du coup. Et c'était vraiment pour fuir la guerre parce qu'en fait, il y avait une opposition tamoul-singalaise. Mes parents sont tamouls, du coup. Et vraiment, c'était pour fuir cette guerre-là, fuir un peu l'oppression qui est encore présente au Sri Lanka. Le conflit singalais-tamoul, il est présent depuis des années. Il y a un génocide qui s'est passé, donc on n'en parle pas souvent. Et c'est ce que j'ai mis en avant via mes réseaux. Ça a été mis en avant là depuis le début de l'année 2020, suite à la destruction d'un monument historique représentatif pour les Tamouls à l'université de Jaffna. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres, notamment sur les réseaux, où la jeunesse vraiment tamoule française s'est réveillée en se disant en fait on est en train de perdre petit à petit tout notre patrimoine, toute notre histoire. Et c'est ça qui a en fait enclenché la visibilité, en tout cas la mise en avant du génocide tamoul.
Je suis d'origine indienne et vietnamienne, mais j'aime bien préciser que je suis de culture tamoule. Parce que, en fait, donc toute ma famille vietnamienne, du fait de la guerre d'Indochine, a dû déménager. J'aime bien garder ce mot, il est très important pour moi. Moi, je suis pas un j'aime bien dire que je ne suis pas un enfant issu de l'immigration, je suis un enfant issu de la colonisation. Ce n'est pas la même histoire. Donc, du coup, moi, j'aime bien dire que ma famille a déménagé. Donc, du coup, ma famille a déménagé du Vietnam pour s'installer à Caracal, donc un comptoir français. Voilà. Et de Caracal, ils ont déménagé en région parisienne. Et du coup, on est là. Alors, mon père était venu s'installer en France pour faire des études, finir son master et faire un doctorat, qu'il n'a pas fini finalement, parce qu'il avait besoin d'argent. Et son job étudiant, qui était d'être caissier dans une station-service, s'est transformé finalement en job permanent. Et ma mère est venue pendant Noël 92, pour le rêve européen. Donc elle est venue avec un visa de vacances, enfin ouais c'était ça, c'était tourisme, voilà. Et finalement, bah en fait, elle a décidé de rester pour trouver du travail et espérer avoir une meilleure vie en France. Et c'est en fait là, par l'intermédiaire d'une de ses cousines, qu'elle a rencontré mon père 2 ans plus tard. Mon père, il est arrivé en France à l'âge de 20 ans, je crois. Et ma mère, elle est arrivée en France à l'âge de 9 ans. Ses parents l'ont envoyée en France pour faire ses études. Et elle est revenue à certains moments, elle est repartie, mais en tout cas, elle a fait ses études en France. Mon père, qui adore raconter sa vie, m'a expliqué qu'à l'époque, étant le seul garçon de la famille, en fait, il a dû quitter son village d'origine pour Dakar, la capitale. Et là, en fait, il y a un oncle à lui qui lui a dit que potentiellement, il pouvait l'aider à venir en France. Et donc, il est arrivé en France illégalement. Mon père s'est retrouvé en Haute-Savoie à la fin des années 80. Mes parents s'étaient déjà rencontrés du coup au Niger et mon père est venu ici pour faire des études avec le projet de ramener du coup ma mère et ma sœur en France parce que les conditions de vie au Niger étaient un peu compliquées. Mes grands-parents sont nés en Chine, dans la région de Guangzhou. Ils ont émigré à Madagascar. Ma mère est née à Madagascar, leurs 7 enfants sont nés à Madagascar et ma mère ensuite émigré en France et donc a entamé un processus de naturalisation. Après de longs combats, l'indépendance est déclarée et donc c'est vrai que c'est, comme pour beaucoup de pays, c'est compliqué de se réapproprier ça, a fortiori quand on a gardé, quand la France a gardé un certain nombre de territoires qui ne sont aujourd'hui toujours pas rendus, notamment les îles Éparses, et c'est là où il y a toutes les richesses en fait. Mon père, il est né en Tunisie, et il a été atteint de la polio, en fait c'est une maladie qui ronge son os, il peut pas correctement marché et il a dû très vite aller en France pour se faire soigner. En parallèle, ma mère, elle est née aussi, elle est née au Vietnam du coup, et avec sa famille, ils ont fui la guerre pour pouvoir venir en France. Il n'y avait pas d'opportunités économiques à Pondichéry, que beaucoup d'opportunités économiques, etc., ou même l'accès à l'école supérieure, il y avait des obstacles, parce que Pondichéry, encore quand on va aujourd'hui, on voit donc le cœur même de Pondichéry, il n'y a que des personnes blanches, encore aujourd'hui, quoi. L'histoire coloniale, elle est prégnante encore dans cette ville. J'ai profité beaucoup, en fait, de cette histoire familiale, je pense, parce que c'est grâce et à cause, et vraiment je pense que les deux mots sont importants, de cette histoire que je suis là en France aujourd'hui, que mon identité aujourd'hui elle est franco-vietnamienne, c'est à cause et grâce à cette histoire en fait. Donc en fait je suis un peu le résultat de leur histoire en fait. De dire qu'on est le résultat, je sais pas si c'est très égocentrique. Ils se disent, nous on est arrivés en France et nos enfants ils ont pas à vivre ça, sauf que c'est inscrit dans nos corps. Ouais. Mais ça ils le savent pas, tu vois. Moi j'aime bien dire que nous sommes la somme de tous les coups et caresses qu'ont reçus nos aïeux, tu vois. J'enlève rien, je mets rien en avant, mais je sais que c'est là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis même là devant vous, tu vois, c'est toutes ces histoires qui font que je me tiens devant vous. Mais même si eux, ils ont voulu occulter cette histoire-là, c'est pas de l'ésotérisme, c'est concret, c'est réel, c'est étudié, c'est dans notre chair, tu vois, c'est ce qui nous pousse et c'est ce qui nous empêche aussi, tu vois. Mes parents sont en France, sont venus en France parce que la France est venue à eux d'abord. Nous sommes les héritiers d'une histoire coloniale. Mes parents, en fait, donc, étaient à Pondichéry,
ont écouté cet imaginaire ou cette narration de l'Eldorado de la France ou de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils sont venus en France. Mon père, il avait fait des études, comme ma mère, elle était maîtresse d'école. Pourtant, quand ils sont arrivés en France, en fait, les études, c'est là qu'ils se sont rendus compte aussi. Et puis, il y a eu cette désillusion. Les études n'étaient pas reconnues, par exemple. On sait que c'est des souvenirs douloureux pour beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup de post-trauma, en fait, dans nos familles asiatiques, que ce soit d'origine cambodgienne ou vietnamienne, par exemple, ou laotienne, puisqu'on va voir qu'il y a des défaillances ou des carences parfois. Certains ont su se réfugier, par exemple, dans la spiritualité. Ça les a beaucoup aidés à justement accepter tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui a eu cette force, en fait. Elles ont été vraiment très fortes, toutes ces personnes qui ont subi arriver en France comme ça, ne pas connaître la langue, arriver dans un environnement qui est complètement différent, le froid, j'imagine même pas pour eux ce que ça devait être. Quand il est arrivé en Haute-Savoie, il savait en fait que la France c'était compliqué. Donc il était armé entre guillemets, et mon père c'est quelqu'un, il est très nerveux, du coup il se laisse pas faire. Et il m'a dit que il s'est beaucoup battu en fait, même physiquement, parce qu'il voulait pas se laisser faire tout simplement. Mes parents, ils ont investi en nous. En arrivant ici, ils ne connaissaient personne, il fallait faire une famille pour que du coup il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper d'eux plus tard. Et c'était aussi un moyen pour eux de se dire, on est humain en fait, même si c'est galère et tout ça, on va se créer un cocon d'amour à nous. Parce qu'ils ont compris très vite, pour qu'on ait les meilleures études possibles, pour qu'on aille le plus loin possible, etc. Et c'est vrai que en fait, cette histoire-là fait que chaque diplôme qu'on avait, en fait, c'était une réussite pour tous. Pour toute la famille, je m'en rappelle, même pour le baccalauréat, pour le brevet, même dès le brevet des collèges et tout, il fallait appeler toutes nos tantes. Alors on avait une quinzaine de tantes, donc c'est toute la journée à appeler pour dire ça y est, j'ai eu le brevet, ça y est, j'ai eu le bac. Et après encore plus, ça y est, là j'ai eu la licence, ça y est, j'ai eu le master. Mon père se déplaçait même dans là où je travaillais pour photographier mon bureau. Donc c'est voilà, parce que pour eux, c'est aussi ça, c'est qu'ils nous ont donné tous ces outils-là pour réussir malgré tout. Et parce qu'ils ont compris que de par leur histoire, de par leur cheminement, de par tout leur chemin, l'école c'est la clé, la réussite pour eux c'est la clé, dans le sens où en fait, on n'a pas de filet de sécurité économique. C'est une fierté, c'est mon histoire, tu vois, ce que je suis aujourd'hui, en fait... Je me dis qu'avec tout ce qu'ils ont enduré, non, c'est une fierté, c'est juste une fierté. C'est pour ça que j'ai eu ce besoin de l'illustrer, leur parcours et ce qu'ils ont réussi à nous donner. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est cette pression-là qu'on a derrière la réussite scolaire. C'est pas en fait pour les pépouses, pas que ça. C'est une pression pour tous, c'est-à-dire quand on réussit pour la famille, mais on réussit pour la communauté, pour le rayonnement de la communauté. Je me suis rendu compte qu'ils étaient immigrés dans le sens vraiment social du terme, dans la façon dont on se comportait avec eux administrativement, par exemple. Je pense à l'âge de 16-17 ans, hein, très tard, c'est en accompagnant par exemple ma mère ou mon père, je sais pas moi, au consulat ou à la préfecture, par exemple, que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient un statut en France qui était différent des autres. Je pense que nos parents, ma mère, a longtemps voulu s'effacer aussi, se faire la plus discrète possible, avoir le moins de problèmes possible. Et moi je sais que ma mère, c'est la personne avec qui je suis le plus proche dans ce monde, je pèse mes mots en disant ça, je peux lui parler de tous mes raisonnements, elle les captera. Et des fois on parle un peu de comment elle agissait par le passé, elle réussit en fait à se déconstruire toute seule, par le chemin qu'on a parcouru ensemble. Il y a des choses qui ne vont plus de soi pour elle, et elle arrive à beaucoup mieux se questionner, à être objective et du coup à se rendre compte des injustices quand elle les subit, alors qu'avant elle avait tendance à les minimiser à chaque fois. Je pense qu'elle a toujours eu en elle cette espèce de force de s'imposer, mais elle a toujours évolué avec une peur de s'imposer, et que je pense que là petit à petit elle est en train de la perdre, et je trouve ça tellement beau, vraiment, je suis tellement fière d'elle, un truc de ouf. Je pense le fait que je prends de l'âge, doucement mais sûrement, fait que j'ai beaucoup plus de recul sur
tout ce qu'ils ont dû traverser quand ils sont arrivés en France, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie déjà de connaître cette histoire familiale. Ça me fait me rendre compte de plus en plus des sacrifices qu'ils ont faits quand ils sont arrivés, de leur jeune âge aussi. Puisque voilà, ils devaient avoir l'âge que j'ai maintenant, avec un enfant. Et finalement, c'est la différence entre la vie que je mène et la vie qu'ils ont menée au même âge qui fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes vies et du coup, enfin, pas du tout les mêmes destins au final, quoi. Depuis quelques années, c'est venu un peu tout seul. J'ai commencé à poser des questions un peu aux membres de ma famille. Peut-être parce que je voyais beaucoup de personnes qui décédaient petit à petit. Et là, je me dis, j'ai envie de savoir. Parce que je pense qu'ils vont m'apprendre des choses qui peuvent expliquer, je sais pas, notre couleur de peau, la nature de nos cheveux, notre nom de famille. Le problème d'avoir des parents blancs, c'est déjà le racisme intrafamilial, la méconnaissance de ce que c'est, l'absence complète d'accompagnement et de reconnaissance. Et en même temps, c'est une transmission du code blanc. L'apprentissage des codes blancs qui vont faciliter en fait aussi l'évolution dans la société blanche par rapport à si tu vis avec deux parents racisés qui n'ont pas forcément appris ces codes-là et qui ne peuvent pas forcément te les transmettre. Donc il y a encore un pas différent. Mais le racisme intrafamilial est assez fort en fait. Ils n'en ont aucune conscience dans une logique universaliste encore une fois. Quoi. J'ai jamais pu vraiment en parler avec mes parents parce que c'était quelque chose que je trouvais assez tabou. D'aller les voir et de leur dire voilà, bah, j'ai l'impression qu'être noir ça pose problème. Je me sentais pas vraiment capable d'en parler. Mais ma mère me disait souvent en tout cas, comme t'es noir, il faut que tu travailles trois fois plus que les blancs pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Ma mère, elle a dû vraiment faire ses preuves et elle subit du racisme toujours actuellement dans son travail. C'est quelque chose que. On s'en sert beaucoup pour me faire des reproches en fait. De manière générale, on me dit souvent. Enfin, ma tante qui me disait récemment, toi t'es une béninoise et t'es trans, pourquoi tu fais ça? C'est un truc de blanc, machin. Le pire, c'est qu'on s'en rendait pas compte parce que ça a été dur. Hein. Enfin, avec ma grand-mère, ça a été, j'étais gamine et tout, c'était pas pareil, mais mon grand-père, c'était terrible. Le gap culturel et générationnel était. Enfin, moi j'étais en pleine adolescence, c'était affreux quoi. Mais je regrette rien. Enfin. Aujourd'hui, il n'est plus là, et j'ai plus de grands-parents d'ailleurs. Et du coup, je me dis que j'ai eu de la chance de pouvoir les côtoyer. J'ai eu de la chance de pouvoir, à mon insu parfois, apprendre des choses, ingurgiter des choses, subir des choses, et pouvoir aujourd'hui les transformer, quoi. Finalement, c'est les deux seuls grands-parents que j'ai connus, et ils ont eu une empreinte sur ma vie, sur ma façon d'appréhender ma culture, qui est énorme, quoi. Mes parents ont un peu peur, ils s'inquiètent. Parfois, ma mère, elle se pose, elle me dit « T'as pas peur que les gens te critiquent parce que tu parles beaucoup de racisme? T'as pas peur un peu pour ta sécurité ?» Des fois, elle me pose la question. Par exemple, même quand je vais en manif, elle va m'appeler 50 fois parce qu'elle va voir sur BFM TV, ils ont médiatisé que les échafourés, tout ça. Elle connaissait pas et elle-même, en fait, c'est la première génération d'immigrés de toute notre famille. Donc, en fait, quand elle est venue, elle, pour elle, la France, il fallait ressentir de la gratitude. Donc en fait, moi, je comprends totalement sa position de « Ouais, faut pas trop faire de vagues non plus, fais attention, j'ai peur pour toi. » Mais maintenant que je lui explique les choses, je prends le temps de m'asseoir avec elle et de lui dire « T'inquiète pas, ça passe. » Quand t'as un truc comme ça qui grandit en toi, t'as pas envie qu'il souffre de ce que t'as souffert. Je me rends compte que dans mon enfance, il y a eu des moments où j'ai voulu un peu effacer qui j'étais. Et c'est très douloureux, parce que pour qu'une blessure comme ça de l'enfance remonte, tu vois, au stade adulte, c'est qu'elle est archi deep. Et je veux pas qu'elle ait à vivre ce genre de choses. Donc ça passera par son éducation à elle, et j'ose espérer que le contexte dans lequel elle évoluera sera moins hostile.